matin. Ah mon Dieu, il fait tellement chaud. Ouh. Bon matin. Comme vous pouvez voir, j'ai pas encore beaucoup parlé ce matin. Je suis encore un petit peu endormie. Il est 7h45. On se dirige vers le gym. Ça va faire du bien parce que ça fait une couple de jours que j'ai pas été. Il me semble que j'ai vraiment besoin de bouger. Mon corps a besoin de bouger. Puis je voulais y aller hier, mais vu que c'était férié, eh bien, je ne pouvais pas. Alors, on se rattrape aujourd'hui. Fait qu'hier soir, je travaillais, j'ai fini de travailler. Oh my god, lui s'est fait smasher. Ouf! Toute sa porte conducteur est comme maganée au complet. Ouais, c'est ça. Fait qu'hier, j'ai travaillé, j'ai fini de travailler. Il était peut-être 10 heures et quelques. Pas si tard que ça, mais par le temps que j'arrive à la maison, que Anto et moi, on parle, puis blablabla. Bla, bla. On s'est quand même couché à minuit. Pour des petits vieux comme nous, minuit, c'est quand même tard. Comme je vous dis, là, je m'en vais au gym. Après ça, on va aller prendre un petit café au Starbucks puis travailler en même temps pour quelques heures. Par la suite, j'ai dit tantôt que j'allais l'aider avec ses commandes, fait que je vais l'aider avec ça. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire cet après-midi, mais je me souviens plus quoi. Et puis, on va probablement aller voir le père Anto et son frère un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait que ça va être une belle journée. Il annonce tellement beau. Au début, il annonçait de la flotte toute la semaine. Puis là, il annonce super beau toute la semaine. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, j'avais envie de vous parler de quelque chose tout de suite en partant direct demain en matin. Je pense que... Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, hein, comme on dit. Mais je pense que j'ai envie de recommencer à faire des vidéos assises. Je parle pas sur une base régulière, je parle pas redevenir une chaîne de vidéos assises, mais plus, tu sais, je garde ma chaîne de vlog. Par contre, une fois de temps en temps, j'insère en plus ou à la place des vlogs, une vidéo assise, par exemple, j'aurais aimé ça filmer une vidéo dans laquelle je vous parle de Accutane, le traitement pour la peau que j'ai fait parce que je reçois toujours énormément de questions. J'ai tellement reçu de questions là-dessus. Puis même moi, il y a beaucoup de questions que je me posais avant de commencer auxquelles je n'avais pas de réponse. Fait que si jamais vous pourriez vous fier à cette vidéo-là ou au moins que ça vous aide à vous faire votre idée, ça pourrait être ça. Fait qu'en tout cas, je me disais une petite vidéo comme ça, genre une routine du matin. Je m'ennuie de faire des routines. J'adorais faire des routines. C'est un peu plus comme, pas cinématique, mais tu sais, tu peux te permettre d'être un petit peu plus créatif. Ben quoi que dans les vlogs aussi, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Et puis, tu sais, ce genre de choses-là, des vidéos de favoris du mois ou du moment. Fait que, à la place, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça quand je les insère dans les vlogs. Fait que je me disais que de les insérer juste dans une vidéo normale, ça pouvait être pas pire. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais commencer à faire ça. Tu sais, ça pourrait être ça. Une fois de temps en temps, j'en mets un. Puis tu sais, sans que ce soit sur une base régulière, sans que ce soit sur un horaire précis. Juste une vidéo surprise un matin comme ça, qui est une vidéo assise. Fait que vous me direz ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Puis si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je filme, que ce soit juste du blabla ou que ce soit un petit peu plus concentré sur d'autres choses, eh bien, dites-moi ça. Ça me ferait vraiment plaisir. Fait que je pense que je suis vraiment excitée à cette idée-là. Fait que faut juste que je prenne le temps de le faire. Là, mais ça me fait 2 semaines, je me dis, je vais commencer à faire ça. Puis j'ai pas eu une minute pour le faire. Fait que faut que je prenne le temps de le faire, par contre. Let's do this. Il y a quasiment personne en plus, le stationnement est vide. Bon, j'ai terminé au gym, je pensais que j'allais mourir. J'ai tellement chaud puis j'ai pas l'air clim dans mon char. Fait que ça c'est génial. Là j'arrive au Starbucks, je vais venir prendre un petit café puis faire un petit peu de travail. Fait que let's do this! Bon, fait qu'on est de retour à la maison.
maison. J'étais arrivée il y a littéralement genre 5 minutes, puis je me disais, j'espère que le gars de la poste n'est pas passé parce que j'attendais des shorts que j'avais commandé pour ma job. Puis il est passé genre il y a une minute. Fait qu'on s'est croisés de peu. Ça a fait pas mal juste. Fait que ouais, c'est ça, comme je parlais, je sais pas si j'avais décidé d'uploader ce vlog-là. Ces temps-ci, on dirait, il y a plein de vlogs que je fais, puis je suis comme, ah oh non, j'aime pas ce que ça donne, fait que je les upload pas. Mais en tout cas, je parlais que j'avais besoin de shorts en particulier pour le travail. Ils veulent absolument qu'on achète genre une paire de shorts du garage spécifique. Puis quand j'étais allée en magasin pour en acheter, il n'y en avait plus nulle part. Mais il y en avait sur le site internet, fait que j'en ai commandé deux paires. Vu que je travaille quand même plusieurs jours de suite, puis ça me tente pas de faire genre des lavages à chaque jour là. Fait que j'ai pris deux fois la même paire de shorts, c'est des shorts girlfriend. Pour vrai, j'étais vraiment pas dans ce genre de style de shorts là avant, puis on dirait que là, vraiment beaucoup à cause de ça justement. Fait que c'est juste c'est ça, des shorts bien normales comme ça qui sont un petit peu lousses, puis étaient tout en rabais sur le site à 20$ quand je les ai commandés. Fait que c'est pour ça aussi que j'en ai pris deux paires. Vu que d'habitude, une unité, c'est... D'habitude, une paire, c'est 43 à peu près. Fait que... Puis pour avoir la livraison gratuite... Non, c'est pas vrai, je l'avais déjà avec ça. Mais en tout cas, j'ai vu une petite camisole dans la section solde. Qui est juste une camisole blanche comme ça. Avec le droite, là. Fait que, elle revenait à 5$. Fait que, tu sais, c'est le genre de camisole qui va avec tout. Yeah, je suis contente de les avoir reçus. Fait comme ça, j'ai pas besoin de laver celle que j'ai portée hier pour demain. Fait que, yes sir. Puis Anto aussi a reçu des colis, fait que je les ai mis dans son bureau. Là, ouais, c'est ça, je suis encore en train de travailler un petit peu. Ça s'est bien passé. C'est ça, je reste au Starbucks peut-être genre 1h15. Plus ou moins, est sérieux, leur clim est tout le temps dans le tapis à ce Starbucks-là, c'est fou raide. À chaque fois, j'ai tellement froid. Puis quand je suis arrivée, je fais comme merde, c'est vrai, je pensais pas à ça. Moi, je suis en petite robe, pas de veste, rien. Fait que, ouais, faisait quand même froid. Fait que là, je pense que ce que je vais faire, j'ai envie d'un. Il y a des citrons ici, j'ai comme envie d'un eau citronné. Fait que je vais me faire ça. J'aurais aimé ça faire un petit peu de travail, le montage et compagnie. Fait que c'est ce qu'on va faire. Mais avant, faut définitivement que je ramasse ça. Parce que. Ça c'était hier soir, ça c'est là, ça c'est ce matin, fait que faut pas que je me laisse traîner, sinon je m'emporte. Pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que je faisais là, c'est du trading en ligne, fait que des actions, mais avec la fausse argent en papier, parce qu'on veut se pratiquer avec la fausse argent avant de le faire avec la vraie argent. Fait que c'est ce qu'on fait, puis le trade que j'ai fait ce matin, c'est plus ou moins bien passé. D'habitude, je suis quand même vraiment pas pire, mais là, ça l'a crashé solide. Fait que, en tout cas, j'attends que ça remonte. Là, on prend de la patience. C'est ce que ça prend, de la patience. OK, j'ai un problème. Oh, mon Dieu. OK, on... C'est une abeille? On laisse toujours la porte de dehors entre-ouverte, OK, pour Taz. Pas autant que ça, là, je l'ai ouvert un peu plus. Mais pour qu'il puisse rentrer et sortir, sauf que là, il y a une guêpe qui est rentrée. Une abeille ou une guêpe, une abeille, je pense, c'est petite. Qui est rentrée, puis là, je veux la faire sortir, mais elle a de la misère à voler, je pense. Fait que là, je veux mettre le cahier dehors, sauf que j'ai peur qu'elle me pique. Fait que je pense que je vais juste comme essayer de la pousser avec le balai, puis genre, je sais pas, là, essayer quelque chose, mais j'ai vraiment peur de me faire piquer. Parce que Taz jouait avec, mais j'étais comme, je l'ai enfermé, là. Je me disais, il peut pas jouer avec s'il se fait piquer, ça serait pas nice. Fait que là, à la rescousse de l'abeille. Oh mon Dieu, je suis stressée parce que je la vois avec son dard comme qui pique le cahier. Fait que j'ai comme pas envie que le cahier ce soit moi. Je pense qu'il y a une autre. Voyons. Bon, bye. OK, la mouche est sortie au moins, c'est déjà ça. Je veux juste t'envoyer dehors. Je veux pas te faire mal. Je sais pas si vous la voyez avec son petit dard là. Mais j'ai pas envie qu'elle fasse ça sur moi là. Pas pantoute même. Non! L'autre bord. Je veux pas qu'elle se mette à voler dans la maison, là. OK, elle est encore sur le balai. Mais au moins, elle est plus à l'intérieur. Oh my God! Sérieux, j'ai pas peur de grand-chose, mais les abeilles dans ma maison, j'aime pas ça. J'allais me faire un petit grilled cheese.
J'ai rajouté du bacon dedans parce que Anto en a fait cuire et puis il allait plus être bon. Fait que on se sacrifie. Et puis j'étais encore en train de faire un petit peu de montage. Fait que je termine mon premier vlog, je crois. Je vais essayer d'en faire le plus possible aujourd'hui vu que j'ai le temps. Fait que ouais, ça avance. Je suis quand même contente. Je viens juste de terminer de faire le montage du deuxième vlog et puis là, je suis écœurée. J'ai ramené ma vaisselle sale. Ah ouais, je m'endormais vraiment en travaillant, tu sais, mais ça, ouais, non, c'était juste... Il était temps que je prenne un break. Là, il est rendu 2h30, j'ai pas pris de pause encore. Fait que je vais prendre une petite pause, je pense que je vais me faire un petit café glacé. J'y avais oublié, mais ce matin, il aurait vraiment fallu que j'aille à la banque. Fait que je me demande si je sortirais pas faire ça. Genre... Je pense que je vais me reposer. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais me reposer comme un 15-20 minutes, l'écouter genre un vlog, whatever, là, tranquille. En buvant mon petit café. Puis après ça, je vais aller. Je vais aller trouver mes mots. Je vais aller à la banque pour aller déposer. Et après ça, j'ai un petit peu de paperasse à faire. Fait que je vais faire ça genre après, en revenant. Au moins, ça va me laisser comme un break entre les deux. Puis je vais aider Anto, mais peut-être plus tard parce qu'il n'a pas encore besoin de moi. Fait que on peut s'occuper comme on veut d'ici là. D'ailleurs, pour toutes les questions concernant le sirop que je mets dans mon café glacé, qui est le Torani, comme ça, là, l'aromatiseur à la vanille, le sirop aromatiseur, je l'ai vu sur Amazon. Fait que je pourrais vous mettre le lien en barre info pour ceux que ça intéresse. Il est plus cher. Moi, je l'avais payé 10$ au Winners, mais sur Amazon, il est 15 ou 16$ si je me souviens bien. C'est quand même vraiment pas super pour de vrai. C'est sûr que c'est ça que je vais racheter là, après, quand j'en aurai plus, si j'en retrouve pas au Winners, parce que je trouve que ça fait toute la différence. C'est pas un trio de feu, ça. Hello! Oh, t'es tellement un mood maintenant, là. Maman, elle aimerait ça faire comme toi. Mais on n'a pas toutes des vies parfaites. Bon, fait que j'arrive à l'épicerie. J'étais allée porter un petit colis qu'Anto m'a demandé d'aller porter pour lui, pour ses commandes. Fait que je suis allée faire ça. Là, je vais arrêter ça à l'épicerie avant. En fait, j'aurais dû arrêter à la banque avant, mais je me suis perdue parce que j'ai oublié mon téléphone chez nous. Fait que je me suis ramassée à l'épicerie avant. Fait que c'est pas grave, je suis venue au Walmart vu que c'était juste à côté de la caisse populaire. Et puis, on n'a pas besoin de grand-chose, il manque du lait. J'aurais peut-être aimé ça acheter des pommes. J'ai vraiment envie de pommes vertes ces temps-ci. Et puis, genre du pain. Mais j'ai vraiment pas envie d'acheter grand-chose parce que moi, je travaille presque tous les soirs. Anto, lui, il se fera pas de la grande bouffe quand je suis pas là. Il va faire désirer quelque chose. Puis, il m'a dit, bah, je veux rien. J'ai rien de besoin à part du pain et du lait. Fait que c'est ce que je vais acheter. On a encore des œufs, on a encore des burgers. T'sais, on a plein d'affaires pour vrai. Juste des fruits et des légumes là, qu'on a peut-être un petit peu moins. Fait que je vais peut-être plus regarder pour ça. Mais au Walmart, c'est pas le petit mal, mettons. Je suis revenue de l'épicerie. J'ai pas acheté grand-chose. Il y avait tellement de monde, sérieux. C'était vraiment ridicule. Tout le monde allait acheter leurs affaires de nouvel appartement. Fait que on a fait avec l'essentiel. Fait que j'ai pris du lait, du fromage écrémé. J'ai pris en tour des Mr. Freeze parce qu'il passe ça dans le temps de le dire. Je me suis pris des pommes vertes. Je nous ai pris chacun un Red Bull. Pas pour aujourd'hui, là, mais... pour un autre moment, mettons. Des cerises, my god, j'adore les cerises. Puis là, c'est le temps parfait de l'année pour en manger. Fait que on se gâte. Et puis, finalement, du pain. That's it. Alors, il est rendu un petit peu plus tard. On vient juste de finir de souper. On a fait les commandes en tôt pas mal toute l'après-midi, tout le reste d'après-midi. Fait qu'on n'a pas terminé, mais on a quand même avancé, fait que c'est pas si pire. Et puis, le père Anto est venu souper avec nous parce qu'il était en ville. Fait que c'est ça. Puis là, on est avec lui et puis on s'en va voir le frère Anto jouer au baseball. Fait que je me suis mis genre vraiment confortable avec mes pantalons lousses pis tout. Puis je m'amène un petit cardigan parce que il fait vraiment chaud en fait encore, mais j'ai peur de me faire manger par les bibittes. Fait que je m'amène plus de couches que pas assez. Je vous accueille dans toute ma splendeur. Je viens de sortir de la douche et puis je viens de finir le self-tan. Fait que, c'est sketch si je vous mets. Je viens juste de finir le self-tan, de me laver les cheveux, puis il me reste à appliquer mes petits produits. J'ai essayé un nouveau self-tan qui est le Saint-Maurice. Maurice? Je sais pas comment tu le dis dans la teinte dark que j'ai trouvé sur Amazon, mais j'avais entendu une youtubeuse montréalaise en fait
puis en parler, et puis elle disait qu'elle le retrouvait au Winner, au Walmart, pardon. Fait que je le trouvais pas à mon Walmart, mais je l'ai trouvé en ligne. Fait que je l'ai commandé, je vais le tester pour la première fois. Fait que là, je viens de l'appliquer, la couleur avait l'air vraiment... Ben, elle a l'air un petit peu plus olive que le Jergens que moi j'utilisais avant, mais le Jergens, je trouve qu'il ne toffe pas assez longtemps. Fait que je me disais que d'en essayer un autre, ça pourrait faire du bien. Puis ça permet de comparer aussi les marques de pharmacie, je trouve ça le fun. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je pourrais vous donner des updates là-dessus à venir. Il est rendu quand même, mine de rien, 11h moins 10. Ça a été quand même, on est resté là-bas quand même une bonne partie de la soirée, mais c'était vraiment le fun. On a vraiment passé une belle soirée. C'est ça, on était là avec le père Anto, son frère y jouait. Puis on a croisé du monde qu'on connaissait aussi. Fait que c'était bien, bien le fun. Fait que ouais, je pense que là-dessus, moi, je vais terminer le vlog. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un pouce. Et puis, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.